6 ans, j'ai commencé à jouer le violon, puis depuis ce temps-là, c'est ça que je joue. Oui, c'est une de mes passions, j'aime beaucoup ça. Nous autres, on habite juste au dehors de La Fontaine. Puis la famille de mon père, ils viennent toute la région ici, de Perkinsfield et de La Fontaine. Alors toujours en réunion de famille, on chante des chansons à l'école élémentaire. J'ai allé à l'école à La Fontaine aussi. On apprenait des chansons traditionnelles. Alors c'est comme ça que j'ai appris la base de la culture puis de la musique traditionnelle francophone. Ariko, c'est encore un jeu sur des différents noms. Dernier nom, c'est Lefaive. Alors, un fave, un haricot. Puis la deuxième chose, c'est pour les Premières Nations, il y avait la soupe traditionnelle avec les haricots. Les Three Sisters Soup, comment est-ce qu'on dit ça? La soupe de trois sœurs qui est inclue comme des fèves et des haricots. Alors ça, c'était, ça joue un peu sur ça, parce qu'on a trois sœurs dans la famille. Alors c'est pour ça qu'on a choisi le nom Ariko. Ça a commencé le mot bûcheron. On voulait inclure le nom bûcheron parce que c'est moi, puis des autres gars, puis ils sont pas mal des gros gars, puis ils viennent tous de la région, ils sont tous francophones. Alors, bûcheron, c'est un peu colon comme nom. Mais ça a commencé aussi les bûcherons virils. On pensait que c'était drôle, ça. Mais nos parents, ils pensaient que peut-être que c'était pas complètement approprié pour tous nos spectacles. Alors, on a changé ça à Jill et les bûcherons. je dirais pas qu'ils sont trop bûcherons comme caractère. Parfois, on se déguise pour nos spectacles. Dans ce temps-là, ils ont vraiment l'air des bûcherons. Moi, je vis à Toronto, puis aussi deux des bûcherons, Taylor et Étienne, vivent aussi à Toronto. Ils vont à l'université avec moi. Alors, on change un peu de la petit village et on va à la grande ville. C'est un peu d'un changement. Alors, on espère qu'ils vont être un peu plus sophistiqués dans les années qui viennent. d'habitude, on joue surtout la musique traditionnelle francophone. Aussi, on joue beaucoup de chansons au violon. Alors ça peut être soit irlandais, soit écossais, soit canadien-français, ou juste canadien. Alors on fait une variété de ces deux sortes de musique traditionnelle. Puis dépendant, on peut aussi faire de la musique anglophone, du blues, un peu de jazz. On aime beaucoup mettre un peu de jazz dans la musique traditionnelle, ça fait un peu intéressant.